Je dois, devant vous, à nouveau adresser mes remerciements à mon frère, le président Mbalo de la Guinée-Bissau, président de la SEDEAO, qui a souhaité faire cette visite ici à Cotonou pour saluer, saluer le peuple frère du Bénin. Et d'ailleurs, en son nom, je lui adresse à nouveau tous nos remerciements, notre reconnaissance pour l'honneur qu'il nous fait. En effet, en tant que président de la il a la responsabilité. De s'occuper de tout ce qui concerne notre sécurité à nous tous dans la sous-région, y compris nos problèmes de développement. Et à ce titre-là, il vient de d'effectuer un séjour au Burkina. Et c'est à la suite de cette visite qu'il a fait l'étape de Cotonou pour échanger avec moi sur la stratégie que la CDAO est en train de développer pour faire face aux problèmes d'insécurité. Que nous connaissons. Puis euh, un autre sujet qui le préoccupe beaucoup, c'est notre développement commun, parce que euh, le monde va mal. Nos pays africains ne sont pas, ne font pas exception aux difficultés que connaît euh, le monde. Mais euh, nous avons à prendre nos responsabilités pour trouver la solution interne, pour passer ce cap difficile et pour euh, renouer vraiment avec le développement. Ce sont essentiellement ces deux sujets que nous avons échangés. Et puis, euh, un troisième sujet qui l'a intéressé en tant que président de la CEDAO, c'est l'association politique au Bénin. Nous venons finir les élections. Il a reçu instant par instant le rapport de la commission de la CEDAO, la mission de la CEDAO qui est venue observer le processus électoral. Et euh, il nous a félicité, Il a félicité le peuple béninois, euh, le gouvernement, tous les partis politiques ainsi que l'opposition. Qui a participé à ces élections-là et a donné désormais une autre image de notre pays. J'ai reçu ces félicitations avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté. Et à nouveau, je veux le remercier pour son attention toute particulière à notre endroit et lui dire combien le Bénin tient à jouer sa partition au sein de notre communauté sous-régionale, aussi bien pour le renforcement de la démocratie, des libertés, de la bonne gouvernance que pour notre sécurité commune, la lutte contre le, le djihadisme. Donc, à nouveau, cher ami président, merci infiniment. Et votre visite ici est pour nous un acte de soutien à nos, à nos efforts. Merci. J'ai déjà eu quelques entretiens avec euh, le chef des missions d'observation de la CDAO, qui était un ancien président de transition de la Guinée-Bissau et président de l'Assemblée nationale, qui m'a fait part comment sont déroulées... Dans la calme, on félicite le peuple frère du Bénin. On a échangé avec M. le Président beaucoup de sujets concernant notre espace commun, qui est la CDAO, notre famille ouest-africaine, dans le domaine de la sécurité. Vous savez, l'aspect de sécurité, c'est pas seul au Burkina, au Mali et de quelques autres pays. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est concernée de ça. On a beaucoup changé sur cela. Et le président, il a donné ce point de vue que ça nous intéresse beaucoup, ce, ce, ce point de vue par rapport à la stratégie et les mesures qu'on doit prendre, sa contribution qu'on doit prendre au niveau de la, de la CDAO. Et je félicite M. le président pour, ces, pour cette idée qu'il a. Et je pense que Benin c'est un pays qui pèse beaucoup au sein de notre famille, la CDAO. Et nous sommes famille aussi au, au, au sein de Wemua. Aussi, que Benet est membre fondateur. On a échangé cela. Donc, je suis venu Et après Burkina Faso pour le faire part aussi. Qu'est-ce que j'ai échangé avec le président de la transition de, de, de Burkina Faso? En tant que président de Benet qui est membre de la CDAO. Et je le ferai avec tous les autres chefs d'État. Et encore, je vous souhaite mes meilleurs vœux et félicitations pour les élections qui viennent durer dans la paix et stabilité du Bénin.